cette personne à ma droite se nomme Christian-Pierre Lamarca. C'était un grand violoncelliste que j'adore. Quand je lui ai ramené mes chansons traditionnelles françaises, et ben tout de suite, hop, il a trouvé des super choses à jouer dessus. Et du coup, ça donne une autre couleur à des mélodies que j'ai parfois beaucoup données en récital juste avec le piano et la voix. Et là, tout à coup, ça prend encore une autre dimension. Alors, Isabelle Druet, c'est d'abord une voix, d'abord un timbre de mezzo exceptionnel. Révélation des Victoires de la musique 2010, qui se produit un tout petit peu partout, aussi bien dans la musique baroque que dans l'opéra, que bien sûr en récital. Et puis, c'est quelqu'un qui est aussi tout à fait tout-terrain, puisqu'elle a une ouverture d'esprit aux autres musiques. C'est aussi pour ça qu'on est tous là pour ce concert, c'est parce qu'on est tous ouverts à d'autres choses. Donc, je vous présente Faring Vizi, pianiste. Roumain, né en Roumanie, arrivé en France en 1993, qui fait du piano classique, qui a suivi le Conservatoire National de Paris. Stéphane Mirec, accordéoniste, né du côté de Lyon, dans les Rhône-Alpes, s'intéressant aux musiques traditionnelles, musiques improvisées en général. Bon, en fait, on s'est rencontrés hier, rue de Rome. On passait tous les deux. Ah, j'avais une version, on se connaît depuis longtemps. Grande complicité. Non, on s'est rencontrés hier. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois, tu pris ton bagage. 1000 fois, je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats de vieille tempête. Plus rien ne ressemblait à rien. T'avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux. Moi, je suis partie sur l'idée de mélanger les mélodies françaises, la musique traditionnelle française et la chanson française. Il s'est trouvé Christian-Pierre. Et moi, j'avais fait une proposition dans le même style, c'est-à-dire que je voulais faire les mélodies françaises au violoncelle avec voix, voilà. Avec comme chemin et fil conducteur, l'amour. L'amour. Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu moins tard. Nous protégeons moins nos mystères. Le principe, c'est de faire cohabiter sur scène des musiciens qui viennent d'horizons différents, qui viennent à la fois du classique et d'autres horizons, donc aujourd'hui des musiques traditionnelles, et de les faire jouer dans deux endroits différents de Paris. Il y a le concert à 12h30 au Petit Palais et le concert à 20h30 aux Trois Baudets. Le même concert, voilà, qu'on double dans la journée. Thank you.
Le rossignol écouté dans la musique traditionnelle est omniprésent. Hein? Alors c'est un oiseau, on ne peut plus s'en défaire. Il est tout le temps là. Non mais c'est drôle, hein? Que donneriez-vous, ma mère, si je la faisais mourir? Je donnerais chemise blanche, de l'argent à ton plaisir. Un programme comme ce qu'on fait ce soir et ce qu'on a fait ce midi, c'est quand même quelques jours de répétition tous ensemble pour pouvoir déjà apprendre à se connaître humainement et musicalement. En fait, quand on se retrouve, on vient de milieux différents et en fait, on a le même métier, on est musicien, on parle le même langage et la communication se fait très très facilement. Il y a beaucoup de choses qui se font à l'oreille et à l'écoute. Je pense que c'est un facteur, toute musique confondue, qui est un facteur commun. Voilà, un dénominateur commun, je pourrais dire, c'est toujours l'écoute. Et dans n'importe quelle musique, si on sait s'écouter, et dans la vie d'ailleurs, c'est toujours, ça marche toujours. Écrasez-vous sur mon corps, j'ai fait mourir ma maîtresse, je ne mérite que la mort. J'entends la chanson sereine du rossignol. Il n'y a que la musique purement classique qui est écrite dans ce projet-là. Et tout ce qui est musique traditionnelle, chansons françaises, est improvisé un peu, finalement, sur le tas. Bah, en fait, j'ai tellement surpris. Je me suis dit, merde, c'est peut-être moi qui me suis fait. Je sens un moment d'hésitation à ton regard. Je te regarde, je suis bizarre, il est pas en l'aise, il y a un truc. Les musiques un peu improvisées, bah, ça vous demande de sortir un peu du monde de la lecture classique d'une partition où les choses sont de toute façon tout est noté, on cherche à voir qu'est-ce qui est derrière après. Là, il y a une liberté supplémentaire qui est l'instant. Les choses sont censées se faire sur l'instant, ça rajoute encore quelque chose d'assez fascinant pour moi. Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignonasse pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rablé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal. Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Là, ça fait, je fais un peu la mezzo tout terrain. Et c'est vrai que c'est pas évident de passer d'un répertoire à l'autre dans un même programme. Je crois que c'est ça le plus fatigant et qu'il faut savoir bien gérer, quoi. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, hey, arrête ton char, je vais t'enfiler, moi, de la série noire, tu vas voir. Ah, tu me fais mal, Johnny, 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 mais pour avec mes pires. Ah, écoute, tu es dans une salle de rock'n'roll ou pas? Moi, j'aime bien les genre.
Ouais, les gars, mettez la machine à fumer, déjà, on n'a pas eu la machine. Eh, en fait, je peux savoir, c'est quand j'ai vu ça, quoi. Quand ils sont tous essayés. Faut faire ça. C'est concert de rock, je vais faire ça, ça va le payer. C'est ça, est-ce que vous êtes chaud, quoi, c'est ça. Vous êtes chaud. Je suis pas sûre qu'elle payait ça. Quoique. Fais-moi mal, Johnny.